part bien du côté du pilote suédois Antonio Lindbäck. Next et victoire de Lindbäck en deux Stichauer. Julien Kerr, et c'est bien Jordan Duvernard qui sort en tête. Et l'extérieur de Julien Kerr pour Jordan Duvernard et la Réole. Qui dure, incroyable. Et Stichauer à l'intérieur. Et Dimitri qui est sur les extérieurs, il va plus vite que Mathieu Trevor. Est-ce que ça va passer? Ah, ça en manque un petit peu, ça passe. Et la photo finish, il se pose des questions. Mais ça n'a pas effrayé Antonio Lindbäck qui sort en tête une nouvelle fois. Et Bachelor en dos, oui, il tient sa place. Et ça part bien, justement. Et Marius Hilbrand qui réussit à s'intercaler, mais non. Oh, c'est chaud. Et ça part, et voilà du coup. Et Mathieu Trésarieux qui passe là-bas. Il est là, du Trésarieux, sur Inex Tichauer. Et Marius Hilbrand qui sort en tête. Et oui. En tête, peut-être ce coup-ci c'est trop tard. Et c'est bien Lindbäck qui remporte cette manche. Ouh. Ah, ça part avec 4 pilotes de front. Mathieu Trésarieux à l'extérieur encore un coup, mais il se fait pousser. Et c'est Marius Hilbrand qui sort encore. Marius Hilbrand qui vient d'enchaîner 2 manches successives. Ils sont décisifs et Lindbäck l'a compris, il est déjà en tête et loin devant. Allez Jordan, il faut le raccrocher. En difficulté à la fin. Ça va suffire pour emporter cette manche. Allez, Dimitri, il est bien parti à l'intérieur à ce coup-ci. Bachelor sur l'extérieur a l'air rapide. Il va s'assurer une nouvelle victoire de manche. Et voilà, c'est fait. Dimitri Berger, Troy Bachelor et Thomas Valadon. Qui part bien. Encore un coup, super départ du pilote de la Réole et Stichauer à l'extérieur sur l'expérience d'Antonio Lindbäck qui réalise un score parfait. Et le très bon départ de Mathieu Trésarieux à l'intérieur. Et là sa revanche de Mathieu. Et Dimitri, ouais, qui vient taper. Quel spectacle faire par nos deux pilotes. On prend la largeur de la piste. Derrière qui a fait un très très bon rôle de coéquipier. Qui fait des bons lâchés, mais attention, c'était très le Bachelor à sa gauche, c'est pas pareil. Derrière, ça pousse un peu pour Jordan Bernard, totalement. Elle est là, enfin, la première victoire amplement méritée pour ce tout. Le bon départ de Jordan Bernard et de Stichauer sur l'extérieur. Et l'équipe de l'arrière qui gagne cette manche pour l'Aréole et le 5-1 vol. Littéralement. Oh là là, déjà. Sur le rythme derrière, suivi de Thomas Valado. Ah, c'est un pilote qui vient chercher très large. Et ce sera l'homme invaincu aujourd'hui, Antonio Lindbäck. C'est la dernière manche 2022 que vous avez sous vos yeux. Et Mathieu qui part super bien. Dimitri s'est loupé le start. Il va falloir aller chercher maintenant le jeune Marius. Et la dernière manche, c'est Mathieu Trésarieux. Allez, c'est avec Mathieu Trésarieux qu'on se retrouve. Mathieu, il m'a dit qu'il a chaud, donc il a envie d'aller boire un coup et fêter cette victoire de Marmande. Mathieu, quel est ton mot pour cette Ligue Nationale de Sud-Ouest, cette victoire, cette nouvelle victoire pour toi? Oui, en effet, déjà aujourd'hui, enfin premièrement pour parler personnellement, c'était compliqué un peu de revenir sur la moto de Speedway après avoir fait pas mal de courses de long track. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de remonter sur la moto de Speedway, c'est un peu différent quand même. Donc j'avais pas le feeling au début et puis bon, après à force de rouler, ben c'est revenu et mon feeling était meilleur et du coup ça a pu se voir sur mes résultats. Et donc après, ouais, ben cette ligue de Speedway, j'ai trouvé vraiment sympa cette année. Bon, c'est dommage qu'il y avait que 3 clubs, ça aurait été bien d'en avoir un de plus. Mais
mais bon, enfin voilà, on fait avec. Les clubs ont joué le jeu, les pilotes aussi. Voilà, on a pu voir encore aujourd'hui que Marmande a demandé à Antonio Lindbach de venir rouler. Enfin, je pense pour le public français, c'est toujours agréable de voir des pilotes de ce niveau rouler. On peut voir là avec quelle classe ils roulent sur une piste. Et c'est, enfin voilà, moi je félicite aussi les clubs quand même pour l'effort qu'ils ont fait. Et puis remercie le public aussi. Bon, pas assez nombreux bien sûr, mais voilà, c'est des fans inconditionnels qui sont là présents, et voilà, c'est merci à eux quoi. Alors Mathieu, justement, tu parlais des fans inconditionnels, tu combles le cœur des Français depuis de nombreuses années. La question finalement que tout le monde se pose, est-ce que l'année prochaine sur cette Ligue nationale de speedway on pourra encore compter sur Mathieu Trésarieux? Ben ça dépend comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que les clubs vont continuer? Je sais pas. Moi pour ma part, pourquoi pas? Je veux dire, c'est à côté de la maison, j'ai pas beaucoup de déplacements quoi. Donc moi ouais, ça serait avec plaisir, mais bon, il faut que ça marche comme ça a marché jusqu'à présent. Il faut pas que ça aille en descendant quoi. Bon Mathieu, félicitations encore. C'est combien d'affilés? 3, 4 d'affilés? Quoi pour les courses ou les victoires? Les championnats, ben là je sais pas, j'ai gagné deux fois à l'Aréole, et puis là du coup on avait Marmande, on a gagné la dernière fois Marmande, donc là ça fait la quatrième, ouais, deux fois l'Aréole et deux fois Marmande. Tu vas égaler le record de Richard de Biasi finalement, avec quatre victoires d'affilée, mon Mathieu, je te félicite, va boire un coup et puis et je suis... à bientôt, je suis... ciao. Merci.